Ok. Donc, on attend un peu avant de commencer. Voir si ça marche. Alors, 2 secondes. Alors, ouais, ça commence à arriver, ça commence à arriver. Il est 25, on part à 30. On attend encore un peu. Pop, 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 pop. Est-ce que je... C'est bon, on m'entend bien ou pas? Je fais genre... voilà, donc je recule un peu pour tout à l'heure. Ouais, ça va, on verra. Salut tout le monde, c'est Cathy. Alors, donc on attend environ 3 minutes vite fait. Ça commence. Alors, 15, 16. Ouais, ça va arriver. Donc pendant ce temps, j'ai tout en place. Alors, timer. Le temps. Il est prêt. Merci, merci. Encore 2 minutes. Alors, si je parle pas assez fort, dites-le moi en commentaire. Si on ne voit pas pareil, ok? J'essaierai de régler un peu quand même. Là, parce que c'est un peu galère là pour l'instant, mais. Nous, on fait comme on peut. Bon, bref, j'espère que vous allez très bien. Donc, voilà. Bon, voilà, donc on attend encore un peu là, mais. Alors, allez, allez. Encore 3 minutes, 2 minutes. Donc, alors, on va commencer, comme l'a dit hier Romain, maintenant, chaque jour de la semaine, il y aura 2 cours live. Un le matin et un le soir. Le matin, il y aura 2 créneaux. Un à 10h ou 10h30, je ne sais plus. L'autre à midi et demi. Et le soir, pardon, un créneau, 18h. Donc, ce soir, il y aura Romain, l'autre Romain. Et demain, à 10h, on aura Émilie pour le Kids Dance. Donc, pas d'excuses pour pas faire de sport. On va commencer dans 1 minute. Donc, on attend encore un peu. Donc, ouais, faites un peu de place chez vous. Poussez un peu les meubles. Prenez à boire. Il vous faudra, pour le cours d'aujourd'hui, un tapis si vous avez, sinon une serviette et une chaise. Ou un tabouret, ou une table basse, ou un petit meuble, ok? Donc le cours se prend en 2 parties, une debout, on va chauffer vite fait, 5 minutes, et après on ira au sol faire le travail au sol. Merci. Ok, on va partir dans quelques secondes. Donc, mettez-vous en place. Hop, hop, hop. 2 secondes, je mets un peu de musique. Allez, allez, on va débrouiller le haut du corps, enrouler les épaules à l'arrière, de grands cercles, et à l'avant. On prend le temps, chercher bien à l'arrière, bien haut et bien à l'avant. Maintenant, on va enrouler avec les bras, de grands cercles, et à l'arrière, ok? On va déroulé le haut du corps, on tourne le buste, autre côté, encore une fois, on repart et alterner. Voilà, on relâche, on libère tout ça et sur place, on va courir.
jogger comme dirait Mag. Levez les genoux dans l'axe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Utilisez les bras pour activer tout ce cardio. Et on passera un talon aux fesses. Le buste droit. Et on relâche. Pareil toujours un jog. À nouveau, genou haut. Montez les genoux bien haut. Et relâche. Pareil toujours en jog. Sur place, on ira un tipping. C'est-à-dire, les pieds écartés et on va taper au sol, ok? On tape au sol. Allez, assez vite, Kem. On a environ 20 secondes. Et relâchez. Voilà. On bouge un peu. On dévoue tout ça. Et on passera maintenant au sol, ok? Donc, pour le sol, il vous faudra votre chaise. Je booste ça. Je le mets par ici. Alors, hop, ne bougez pas. Deux secondes. Alors, il vous faut une chaise. On partira en dips, ok? On fera 6 exos. 6 exos. 32 de d'effort. 10 de repos, ok? Donc, on commence par les dips. Les coudes à l'arrière, on fléchit et on remonte, ok? Attendez, on va passer les coudes. Je vais mettre un peu plus haut, pardon. Voilà. Et on remonte, ça marche. Impeccable. Prenez deux secondes, je mets le temps. Mettez-vous en place. On part dans 5 secondes. 3, 2, 1, on y va. Les coudes à l'arrière, remontez, ok? Abdos serrés. C'est pas une course, allez à votre allure. Lentement et repoussez. Les coudes restent à l'arrière. Le buste est bien ouvert. Serré dans la plate. Encore 10 secondes. Pensez bien, respirez. 4. 3, 2, et on relâche. Maintenant, on passera au sol. Donc, voilà, là, pour que vous voyez bien. Alors, bougez pas. Ah. Alors, sun twist. Comme ça, on va toucher le sol. Hop. Simple. Option plus simple. On pose les pieds et le buste tombe. À vous de voir. Travaillez les abdos. Pensez bien. Les jambes ne bougent quasiment pas. Seul le buste tourne. Encore 4 secondes. On prend son temps et on relâche. Tournez-vous, on passera en pompe. Les pompes, option 1. Sur les genoux, coude à l'arrière. On va ramener et remonter. On y va. Option plus dure sur les pieds. On prend le temps. On travaille. Triceps, un peu les épaules et les pecs, et aussi vos abdos. On prend le temps. Allez, pensez bien à respirer, ok? Soufflez sur la montée et inspirez, descente. Encore 5 secondes. Et on relâche. On bouge un peu, on se retourne à nouveau. Et on passera un sit-up. On passera, on touche à l'arrière, on remonte et on touche devant. Ça marche. On y va. Regardez aussi les abdos aussi là. Allez. On prend le temps. Utilisez vos bras pour remonter plus facilement. Il vous reste 3 secondes. Ne lâchez pas, c'est que le début. Voilà. On relâche tout ça. On pose. Voilà, cubir. Là, on se planche sous les mains. On tend les jambes. Et on ramène. Option plus simple. Ne bougez pas. Pensez bien là-dessus à serrer à fond vos abdos et vos fessiers.
ramenez le bassin, reste immobile. On prend le temps. Il vous reste 5 secondes. Et on relâche. On passera maintenant allongé au sol. On va relever le buste. Lever et poser. En même temps, on lève aussi les jambes si on peut. Et on relâche. On travaille le dos. Décoller le buste et reposer. Allez, lombaires et la posture. On lâche pas. Respirez. On a fini les exos. Et maintenant, option un peu plus dure. Avant que ce qui finisse, on passera un gainage. Ok, gainage 40 secondes. Si vous pouvez. Sur les coudes. Et on y va. Pensez bien à serrer à fond centre du corps et vos fessiers. Vos coudes sont sous vos épaules. Et on ne bouge pas. Allez, on tient, on tient. Il vous reste 20 secondes. Pensez bien à respirer. Plus le souffle, plus votre souffle sera fluide, plus le mouvement sera simple et la douleur sera plus légère. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Ça fait un tour. Il en reste 3. Donc, le repos sera d'environ 1:30. Pendant ce temps-là, on boit un peu. Vite fait, par vos commentaires. Hop, 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 hop. Ok. Ah, merde. Hop. Ok, ok. Pensez bien à bouger vos corps, vos bras, pour dégourer le haut du corps et les épaules. J'espère que le circuit n'est pas trop dur. Si c'est trop dur, faites moins de reps, mais allez, je la refais. Allez plus lentement au pire. Pas vite, pas une heure modérée, mais prenez le temps de faire le mouvement. Le but, c'est que chacun arrive. On repart dans 40 secondes. On commence comme d'habitude par les dips. Mettez-vous en place, on ramène tout ça. Je vais lever ça. On part dans 20 secondes. Allez, allez. 10 secondes. Mettez-vous en place. Et 5, 4, 3, 2, 1, on dips. Le coup de l'arrière. C'est trop dur, ne bougez pas. C'est trop dur, option plus simple. Là, et on descend le buste à l'arrière. Et revenez. Ligne d'épaule s'abaisse et se relève, ok? Allez, il vous reste 10 secondes. Abdos serrés, les coudes en droit et repoussé. Et on relâche. À nouveau, au sol. C'est parti. Le buste tourne, vos jambes restent immobiles. Hop, option simple. Les pieds au sol et tournez le buste. Posez. Seules les épaules bougent, ok? Il vous reste 5 secondes. Ne lâchez pas. Et on relâche. Allez. Bougez vos bras. On partira en pompe.
Prêt? Et c'est parti. Option simple ou option plus dure. On prend le temps et repousser. Il vous reste 15 secondes. N'oubliez pas les options. Les fessiers sont serrés et les abdos aussi. Les coudes à l'arrière, formez une flèche et on relâche. À nouveau, tournez-vous. On passera en sit-up. Les pieds collés, on touche les talons et on touche l'arrière du sol. Ramenez, utilisez les bras pour aller plus simple et vite. Hop, et je monte grâce aux bras. Les abdos sont serrés. Allez, allez, allez. Encore 5 secondes. On ne lâche pas. Et relâchez. À nouveau, on se tourne. Walkubir en planche sur les mains. On va avancer les genoux. Les genoux sont proches du sol et angle droit, ok? Relâchez. Avancez. Voilà. Option simple. Là, sans bouger. Dans tous les cas, on bosse, hein. Il vous reste 9 secondes. Et on relâche. On passera au sol. Et on va lever. Prêt, c'est parti. Lève et pose. Voilà. On décolle le buste avec les mains et les coudes si possible. On travaille les lombaires. C'est bon pour éviter les mal de dos. On décolle et on repose. On relâche. On passera maintenant, on le sait, un gainage pendant 40 secondes. Et c'est parti. Allez, allez. Après lui, il vous restera 2 tours, ok? 2 tours. Ça va aller très vite. Abdos serrés. Fessiers serrés aussi. Option plus simple. Sur les genoux. Dans tous les cas, pensez bien à serrer le milieu. Vos abdos, vos fessiers. Il vous reste 10 secondes. Allez, allez, on lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Super. Alors, on repart dans environ 1h30. Wow. Donc, du vélo si vous voulez, c'est important. J'espère que vous ça va, que le cours se passe assez bien, que je suis assez clair dans les consignes. Donc, on débrouille tout ça. Allez, allez. On a fait le plus dur. Hein. Il n'en reste que 2. C'est la moitié. Donc, on voit le bout, on voit le bout. On ne lâche pas. Donc, 2 tours. Ça va aller très très vite, ok? Vu que c'est la fin, je pense qu'à la fin, on fera un challenge. Je vous dis rien, vous verrez à la fin. On part dans 30 secondes. Allez, allez. On part dans 10 secondes. Donc, je remets ça là. Je lance.
À nouveau, on partira en dips, ok? Prêt tout le monde? 3, 2, 1, on y va! Les coudes restent à l'arrière. Le buste est ouvert. Serrez vos omoplates. Soyez fiers de vous. Un mouvement bien fluide. Fluide en bas et fluide en haut. N'oubliez pas les options. 3, 2, et on va lâcher. On pousse la chaise. Pardon. Prêt. Et on y va. Allez. Pardon. Allez. Le buste tourne. Seules les épaules et le buste bougent. Les jambes sont quasiment immobiles. Option plus simple, on pose les pieds au sol. Il vous reste 5 secondes. Ne lâchez pas. Et on relâche. On se tourne en pompe. Prêt tout le monde? C'est parti. On prend son temps. Allez, allez, les options, hop, et remontez. Pensez bien quand même sur les pompes du genou, le bassin est légèrement vers le bas. Allez, les coudes à l'arrière, formez une flèche, une pointe, et on relâche. Tournez-vous, et on passera un sit-up. Et c'est parti, on pousse les talons derrière et on remonte. L'astuce pour remonter, c'est les bras. Envoyez les bras fort devant pour remonter. Hop, à l'avant et je remonte. C'est comme si on jette un ballon devant vous pour remonter, ok? Je jette et je monte. S'il faut imaginer, ça sera plus simple. On relâche, on tourne à nouveau et on passera au wall que bien. Tout le monde, c'est parti. Avancez et reculez. On prend le temps, les abdos sont serrés. Le bassin est immobile, seules les jambes bougent. On serre le nombril. Option plus simple et on tient. Il vous reste 3 secondes et on relâche. Allez, on se met à nouveau au sol et on lève le buste. Reposer et remonter. Sur ce mouvement, pensez à prendre le temps, ok? C'est un mouvement important. Normalement, ça bosse tout là, ok? Tout ce qui est ici. Les lombaires. Relâchez. Comme vous le savez, on passera maintenant en gainage. On part dans 3 secondes. Et c'est parti. Allez, allez, on tient, on fait l'effort. Abdos resserrés, fessiers aussi. Le dos est à plat. Il vous reste 15 secondes. Quatre, trois, deux, un, et on relâche. Super. Il vous reste plus que un tour.
Allez, vu que c'est la fin, le dernier tour, on va se faire un challenge. On va faire du 30-10, on va faire du, si vous me suivez, du 40-10, ok? On va monter en travail et le repos ne bouge pas. Ça sera plus dur. Donc, option, au choix, où on fait 40-10 ou rester en 30-10. À vous de voir. Allez, allez. J'espère que vous, ça va très bien quand même. Allez, on part dans 15 secondes. N'oubliez pas, on fait du 40-10. Donc on ne lâche pas. Ça sera un peu plus dur, mais je crois en vous. Allez, allez, on part dans 4, 3, 2, 1, on y va. On prend le temps, ok? Certes, le temps est plus long, mais on va à son rythme. Allez, allez, on fait l'effort. N'oublie pas les options. Allez, allez, allez. Là, ça brûle. Il vous reste 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, et relâchez. Allez, allez, allez. Comme plus, on y va pendant 40 secondes. N'oubliez pas le buste, seules les épaules tournent, ok? On prend le temps, touchez. Voilà. Allez, allez. Il vous reste 20 secondes. Ça va être très vite. Pensez bien, soufflez. Encore 7 secondes. Allez, allez, allez. 3, 2, relâchez. On passera aux pompes. Allez, allez, allez. 3 secondes. Et c'est parti. Option, ou sur les pieds. Prends une flèche et on prend le temps. Soufflez, montez et inspirez, descente. Il vous reste 10 secondes. Et relâchez. On se tourne. Sit up. Et c'est parti. Talon derrière vous et remontez, ok? Pensez bien, pour monter, je lance un ballon. Voilà. Je lance fort contre le mur. Bien. Il vous reste 7 secondes. Et on relâche. On se tourne. Et on passera voile que bire. Les mains sur les épaules. En planche. Et ramenez doucement.
Option plus simple, sur les genoux, abdos serrés à fond et on ne bouge pas. Ok, à vous de voir. Seuls les pieds bougent, le bassin reste fixe. Et relâchez. Allez, allez, c'est la fin. On va relever le buste. Prêt, c'est parti. Levez et relâchez. Prenez le temps de monter. Respirez bien sur le mouvement. Et on relâche. Allez, allez. Il reste plus qu'un exo de gainage. Mettez-vous en place. Et on y va. Pendant pareil, 40 secondes. On tient, on tient. C'est la fin. Je suis fier de vous. On donne tout, on ne lâche pas. Là, c'est serré à fond. Fessier aussi. 20 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ouh. Ouais. Ok, c'est super. Donc, maintenant, on passera sur l'étirement, ok? Donc, deux secondes, je sens de musique. Donc, pour l'instant, buvez un coup, parlez entre vous, et buvez, parlez. Et on passera maintenant l'étirement. Ok. On va rester au sol. Je mets le tapis pour rentrer. Je mets la musique aussi dedans. Ok. On passera en position de l'enfant. Les fessiers assis sous les talons et on va avancer les mains devant vous. Si vous n'avez pas avancé, genoux, pensez à ouvrir pour pouvoir aller plus bas. Grandissez-vous bien. On passera le bras en dessous de le bras opposé. Et on inverse. Et on relâche. On s'assoit. On va mettre le coude à l'omoplate.
La main derrière est à plat, ok. Le buste est ouvert. Et on va incliner sur le côté opposé pour aussi étirer tout là. Et on relâche. Et on inverse. Et on relâche. On va enrouler le doigt à l'arrière. Relâchez. On se grandit. On se penche le côté. On change de côté. On relâche. On déverrouille tout ça. Et pour moi, c'est tout. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, pardon. Et du coup, je vous laisse. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est Romain qui fait le cours. Sur ce, à plus tard.